Tout le monde connaît Ariane et ses magnifiques succès, mais ce que l'on a parfois tendance à oublier, c'est que Ariane, c'est un grand projet européen qui rassemble 12 pays. Il y a deux États qui jouent un rôle clé, la France et son premier partenaire pour Ariane, l'Allemagne. Ariane 5 a eu son premier lancement en 1996. Elle a connu plus de 100 succès et elle a mis en orbite plus de 210 satellites. Ariane fédère 12 pays européens. À travers ces 12 pays européens, il y a plus de 600 entreprises qui travaillent sur Ariane. L'ensemble de la filière Ariane génère plus de 30 000 emplois à travers l'ensemble de l'Europe. Ce n'est pas un hasard si le traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été signé le 22 janvier 2019, a marqué une forte volonté de la France et de l'Allemagne de coopérer dans le domaine de l'espace. Ariane est depuis l'origine un projet européen et un projet franco-allemand. Sie sehen hier den Vinci, das Vinci-Triebwerk, das erste Flugmodell, welches 2020 von Kourou aus mit Ariane 6 ins Weltall fliegen wird. Die Schubkammer kommt aus Ottobrunn. Die Turbomaschine, wasserstoffseitig, kommt von Vernon, wird hier in Vernon integriert. Weitere Teile kommen aus Italien, die Sauerstoffturbopumpe. Weitere Teile aus Belgien, zum Beispiel die Ventile des Raketenmotors. Der Raketenmotor wird hier in Vernon integriert, getestet, anschließend nach Bremen geschifft und wird in Bremen in die Oberstufe der Ariane 6 integriert. La première question que se pose un ingénieur français quand il voit un produit, il pose la question « comment ça marche ?» Et un ingénieur allemand, la première question qu'il pose, c'est « comment on le produit ?» Et bien sûr, pour obtenir un produit compétitif, il faut à la fois qu'il marche et qu'on sache le produire. C'est un petit peu caricatural, mais c'est un exemple de fertilisation croisée que l'on peut avoir dans nos approches. Ariane 6 volera en 2020 et Ariane 6 a l'ambition d'être 40% moins cher qu'Ariane 5. Dès 2025, nous aimerions pouvoir poser un robot sur la Lune et ce robot va extraire des ressources de la Lune pour peut-être, le moment venu, fabriquer du carburant et nous mener vers des destinations plus lointaines. Ce rêve, nous allons le réaliser avec Ariane 6 et peut-être un jour, il y aura un astronaute qui pourra s'envoler depuis la Guyane française à bord d'un lanceur Ariane. C'est en tous les cas un horizon pour nous.